Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre rubrique Une minute pour Jésus. Et je suis votre humble serviteur, le Vosges Prince Kouka. Et que je vous apporte ce message qui est la bonne nouvelle du royaume des cieux, afin de pouvoir apporter la paix, la consolation, la tranquillité et l'assurance dans vos vies en ce temps de la fin. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et je sais que le Seigneur ce soir va envoyer sa parole, afin que sa parole puisse apporter un réconfort dans la vie d'une personne. Sa parole puisse bénir une personne, sa parole puisse guérir et réconforter, encourager une personne qui est frustrée, abattue et désespérée. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est évident qu'un enfant de Dieu doit alimenter sa foi au travers de la parole du Seigneur, car la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Alors aujourd'hui, je viens vous apporter un message que nous allons parler autour d'un mot ou encore un thème qui va s'intituler « Que vaincre l'inquiétude ». Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que le 21e siècle est l'un des siècles les plus stressants de l'heure dans laquelle l'humanité est en train de vivre. Pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes s'inquiètent de beaucoup de choses et de rien. On se quête de la situation économique, on se quête de l'âge qui est avancé, on se quête de notre santé, on se quête de l'avenir et du futur de nos enfants, on se quête de beaucoup de choses et pour rien. On a l'impression que rien n'avance et rien ne change. Mais la parole de Dieu nous rassure en disant que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par les prières et par les supplications, ainsi que par les actions de grâce. Raison pour laquelle, étant qu'un enfant de Dieu, nous ne devons pas être inquiétants. Nous ne devons pas s'inquiéter de ce qui nous arrive. Nous ne devons pas s'inquiéter de la situation que nous traversons. Nous ne devons pas s'inquiéter de tout ce que nous vivons. Parce que nous savons que la personne qui est dans nos vies est beaucoup plus forte que les problèmes que nous traversons dans le monde. Car la Bible nous déclare que dans le livre de Matthieu, que nous allons essayer de pouvoir parler d'un thème, d'un verset et qui nous parle. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Donc, une coudée veut dire une petite chose ou encore une journée de plus ou quelque chose de plus dans notre vie ou encore de l'existence de notre vie sur Terre. Personne est capable de pouvoir rajouter encore le nombre de vies dans son existence ici-bas, si ce n'est que le Seigneur. Voilà pourquoi on peut s'inquiéter, on peut se lamenter, on peut beau pleurer, on peut beau crier. Mais si nous ne fixons pas nos regards vers le Seigneur, rien ne peut changer, rien ne peut bouleverser. Ce n'est que par la parole de Dieu et en la foi en Jésus que les choses vont pouvoir changer, être bouleversées dans nos vies. Parce qu'on est capable de rien, nous-mêmes on ne peut rien, mais ce n'est que par l'Esprit de Dieu, ce n'est que par l'intervention du Seigneur qu'on peut sortir de la vie que nous vivons à nos jours, ou encore cette vie stressante que nous sommes en train de traverser dans notre quotidien. Alors aujourd'hui, sans tarder, je voudrais vous amener dans la parole de Dieu que nous allons aborder lire un passage qui va attirer notre attention de voir combien de fois nous sommes inquiets, de voir que nous sommes préoccupés. On veut changer des choses nous-mêmes sans pour autant consulter le Seigneur ou sans pour autant chercher la face de Dieu. Mais on pense que par rapport à notre vécu, par rapport à notre expérience, par rapport à notre marche dans ce monde, et on est capable de changer des choses sans pour autant se confier au Seigneur. Or, la Bible déclare que ce n'est ni par la force ni par sa puissance que ces choses peuvent se produire, mais ce n'est que par mon Esprit, dit l'Éternel. Raison pour laquelle, lorsque nous avons un problème qui nous préoccupe, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des soucis, nous devons simplement focaliser nos regards vers le Seigneur, parce que c'est lui qui est capable de pouvoir nous apporter la paix, le réconfort, pouvoir nous encourager et nous sortir dans cette situation de laquelle que nous traversons. Alors, en priant, en criant, en se lamentant, et cela, au lieu de changer la chose,
cela va encore empirer davantage. Raison pour laquelle je vais vous amener dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 36. La Bible déclare qu'après avoir envoyé la foule, ils amenèrent dans la barque où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alors, il se leva, un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, qui, le Seigneur Jésus-Christ, à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, ses disciples, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Après, puis il leur dit, « Le Seigneur Jésus, pourquoi avez-vous ainsi peur, l'homme ?» Et comment n'avez-vous point de foi? Alors, ils furent saisis d'une grande frayeur, les disciples, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ça se sent, les paroles, c'est un vécu, un événement qui a frappé les disciples, tandis que Jésus-Christ était dans leur barque, eux, ils étaient en train de prendre la route ou encore faire le chemin ensemble avec le Seigneur. Là où je voudrais te dire que tu es là dans ce monde, que tu n'es pas seul, car la Bible déclare que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, lorsque nous avons Christ en nous, nous avons l'espérance de cette gloire. Alors, les disciples, ils faisaient route, ils faisaient la navire ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Tandis que le Seigneur Jésus-Christ, à cette période-là, après avoir renvoyé la foule, eux qui venaient de visiter, de vivre un miracle de la part du Seigneur, maintenant, le Seigneur, étant fatigué, il a essayé de pouvoir soupir ou encore dormir à la poupe, sur le coussin, au sein de la barque. Alors, les disciples, le Seigneur a expérimenté au fait la foi de ses disciples. Il les a mis devant la face du monde. Il a mis devant la face des épreuves. Il les a laissés devant leur responsabilité de voir au fait leur foi qu'ils avaient cru au Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme étant leur maître et leur Seigneur. Alors, le Seigneur Jésus-Christ ne les a pas abandonnés, mais juste à côté, il s'est mis à l'écart afin de pouvoir leur laisser la tâche de la responsabilité de voir si réellement ces personnes ont cru au Seigneur Jésus-Christ ou encore ils ont la foi vis-à-vis du Seigneur. Alors la Bible déclare que tandis que le Seigneur dormait à la poupe sur un coussin et les disciples, il y a eu un tourbillon qui est venu frapper leur barque. Alors la Bible déclare que les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Alors, pour eux, c'était déjà la fin. Pour eux, c'était déjà le périr, qu'ils étaient sur le point de mourir. Parce qu'il y avait le vent qui était contraire. Il y avait un tourbillon qui les a frappés. Eux qui étaient au milieu de la mer, ils ne savaient plus rien à faire. Ils ont commencé à s'inquiéter. Alors, voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir qui m'entend, qui m'écoute, qui écoute, qui entend l'écho de ma voix. Peut-être tu traverses ces moments pareils, que tu sers le Seigneur, tu as la foi en Dieu, et que tu vas à l'église, tu as tant d'années dans la foi, mais que tu es en train de vivre un vent contraire à ta destinée, que tu as l'impression que le Seigneur t'a abandonné. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur ne t'a pas abandonné, car il a dit, je vous abandonnerai point, je vous délaisserai jamais, mais je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur a été avec les disciples, mais les disciples, au lieu de croire simplement à la parole, ils n'ont pas cru, ils ont commencé à se lamenter, ils ont commencé à se préoccuper, ils ont commencé à s'inquiéter. Pour eux, c'était déjà la fin, pour eux, c'était le péril. Si pour eux, c'était la fin de leur existence, parce qu'ils n'avaient plus quoi faire, mais ils ont oublié qu'ils avaient Dieu. Deux fois, nous oublions que nous avons le Seigneur avec nous. Deux fois, nous oublions que nous avons des promesses de Dieu. Deux fois, nous oublions que Dieu a mis un signe sur nos vies, mais simplement pour que cela puisse être actif, pour que cela puisse être
opérationnel. Nous devons simplement mettre notre foi en activité afin de pouvoir croire au miracle du Seigneur. Alors les disciples, tous, la Bible nous dit, ils étaient tous paniqués, ils étaient tous inquiets, ils étaient tous préoccupants. Or la Bible déclare, déchargez sur moi tous vos soucis et moi le Seigneur je prendrai soin de vous. Voilà pourquoi le problème qui te tourmente aujourd'hui, ne cherchez pas à utiliser ta force, ne cherchez pas à dépenser ton énergie, à agir tout seul, parce que tu n'auras jamais la solution. Mais confie-toi au Seigneur, réexpose ton problème à Dieu. Dieu est là pour pouvoir te résoudre. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Toi qui es fatigué, des problèmes, des situations, de la maladie, et que le verdict est tombé auprès de mes médecins. Ils ont dit que tu n'attends que ta mort. Mais laisse-moi te dire, c'est par le maître sûr de Jésus-Christ que nous avons été guéris par la guérison de nos infirmités, de nos maladies. Aucune maladie n'est incurable devant Dieu. Dieu est capable de pouvoir te guérir du sida. Il est capable de pouvoir te guérir du cancer. Il est capable de pouvoir te guérir de l'hépatite C ou B, quoi que ce soit. N'importe quelle maladie que le monde ne peut pas agir, apporter la guérison. Mais notre Dieu, il est le Dieu qui a tout accompli sur la croix. Aucun problème ne peut lui résister. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas à te préoccuper, ne cherche pas à t'inquiéter, mais réfixe ton regard vers le Seigneur, car c'est en lui dépendra ton secours, c'est en lui qui aura la guérison, c'est en lui que tu auras la paix, la tranquillité. Raison pour laquelle les disciples, ils ont commencé à s'inquiéter eux-mêmes, ils avaient vu leur fin. Or, la Bible déclare que là où la pensée de l'homme s'achève, c'est là où ma pensée commence. Alors, Dieu avait donc laissé les disciples le temps de pouvoir expérimenter leur foi. Ils n'ont pas pu, ils sont allés voir le Seigneur afin de pouvoir le réveiller. Dans le verset 38, la Bible nous dit que « Et il dormait à la poupe sur le coussin, il... » Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactol. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclophon vert d'une grande superficie, 3 box de maquillage, 3 postes de montage et 2 postes internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs. Studio Pactol vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactol est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 01 46 87 78 65 ou le 07 82 76 79 54. Écrivez-nous à pactolstudio@yahoo.fr et visitez notre site www.pactolstudio.com. Notre adresse, 220 avenue de Stalingrad, 94 550, Chevilly-Larue, à côté de Tabla Pizza. Studio Pactol, votre partenaire image incontournable. Le réveiller, tous ils sont venus le réveiller parce qu'ils ont reconnu qu'ils avaient le maître, ils avaient reconnu qu'ils avaient un Dieu parmi eux. Ils sont allés le confier en le réveillant, en lui dit, tous ils leur dit et lui dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Pour eux c'était déjà la mort. Mais laisse-moi te dire que tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu penses à la fin, tu penses à la ruine, tu penses à la mort. Mais laisse-moi te dire, ce problème qui t'affronte aujourd'hui, ce n'est pas cela qui va t'amener à la mort. Mais laisse-moi te dire, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Commence à croire simplement au créateur des miracles. Commence à croire seulement au créateur de l'univers, celui qui apporte la solution par excellence. Commence à confier tes problèmes en lui. Il sera à la hauteur de pouvoir te résoudre ton problème. Parce qu'il a mis que toutes les personnes qui lui ont fait confiance, ils n'ont jamais été dessus. Voilà pourquoi ces jours-là, les disciples n'ont pas été dessus. Les disciples ont focalisé leurs yeux. Ils ont braqué leurs yeux vis-à-vis de Dieu. Car il a dit que si nous... la Bible nous dit que lorsqu'on tourne le regard vers Dieu, on est rayonnant de joie car nos visages ne couvrent pas de honte. Raison pour laquelle les disciples ont tourné leur regard vers le Seigneur. Ils sont allés le réveiller. Ils ont dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. Pour eux, ils pensaient à la fin. Mais, étant réveillé, c'était maintenant la réponse du Seigneur. Laisse-moi te dire, le problème qui t'amène à la ruine, le problème qui t'amène à la mort, mais laisse-moi te dire que Dieu a le dernier mot. C'est lui qui va agir.
dans ton problème, lorsqu'il dira que tout change, et cela obéira, parce qu'il a dit que lorsque on voit sa parole ne rentre jamais à lui, sans accomplir le don qu'il a été envoyé. C'est pourquoi la sortie, lui qui dit un mot, la chose s'accomplisse, lui qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas, cette parole est encore vivante, cette parole est encore efficace, cette parole agit encore aujourd'hui, il va agir encore dans ta vie. Voilà pourquoi, fais confiance en Dieu, ayant foi en Jésus-Christ, et que tu verras que le cours de ta vie va changer, parce que celui qui est au contrôle de ce monde, celui qui dit aime-moi la chose s'accomplisse, il est encore vivant, il est ressuscité, il va agir dans ta vie. Voilà pourquoi il dit ceci, il se réveilla et menaça le vent et dit à la mer, silence. Silence, on continue. Mais quand c'est quoi que j'ai mis dans le oh, aïe, 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 aïe. Vas-y, concentré, on a évité son écoute, il mais bon, je suis content, on vient. Comment il comprend bien? On a évité. Quand on vient, ah bon? Alors, dans le verset 39, la Bible dit, étant réveillé, lorsque les disciples ayant réveillé le Seigneur Jésus-Christ, lui qui faisait semblant de dormir, mais Dieu ne dort pas. Il a dit que celui qui nous garde, il ne dort, il ne sommeille. Il éveille. Dieu veille toujours. Nous pensons que le Seigneur dort, mais lorsque nous prions Dieu et nous voulons attendre à la réponse, que nous avons l'impression que Dieu, il est occupé, Dieu dort, mais Dieu ne dort pas. Dieu est à l'écoute, Dieu est éveillé. Il attend son heure, il attend son temps convenable parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Il attend le moment opportun pour qu'il puisse agir et intervenir dans ta vie. Lorsque tu lui fais confiance, lorsque tu crois à sa parole, voilà pourquoi les disciples sont venus le réveiller. Il leur dit que non, mes maîtres, nous sommes à la fin. Maintenant, c'est à toi d'agir. Alors, le Seigneur, étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque le Seigneur dit quelque chose dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie à toi ne sera plus jamais la même. Lui qui était venu intervenir dans la vie de son ami Lazare, Lazare était mort, décomposé, lui qui sentait déjà. Après 4 jours, le Seigneur a apparu. Et il a dit à Marthe et Marie, si tu crois seulement, tu verras la main de Dieu. Mais Marthe et Marie avaient tendance de croire à la résurrection des morts. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra pour son enlèvement. Mais le Seigneur dit, voyez que le miracle était encore possible aujourd'hui. Pour les hommes, c'était impossible. Parce que l'homme, après 4 jours, mort, décomposé dans le tombeau, il était incapable de pouvoir être ressuscité. Mais pour Dieu, c'était possible parce qu'il est le Dieu de la possibilité. Il est venu, il a rencontré la vie de Lazare. Il a dit, Lazare, sors, Lazare est sorti. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a le dernier mot. Il est venu calmer la tempête. Lorsque les disciples, ils attendaient, ils étaient nombreux. Pour eux, c'était la fin. Pour eux, c'était la fin de toute chose parce qu'ils étaient sur le point de périr. Mais le Seigneur Dieu, comme il était dans leur vie, comme il était dans leur barque, laisse-moi te dire, comme le Seigneur Jésus qui est dans ta barque, tu ne vas jamais te noyer. Comme le Jésus-Christ est dans ta vie, tu ne vas jamais mourir. La main de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Raison pour laquelle les disciples ont venu réveiller le Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il s'est réveillé, il a pris soin de ses disciples. Il a pris soin, il a pris possession ou encore possession de ce problème. Il a dit, maintenant c'est à moi le problème. Maintenant, voyez comment je vais manifester ma main sur votre vie, sur ce problème, afin que vos vies à toi et à vous ne soient plus jamais la même. La Bible déclare qu'il menaça le vent. Laisse-moi te dire que le problème qui te menace aujourd'hui, le Seigneur est au contrôle. Il va dire que le problème que tu vis aujourd'hui, demain tu ne le verras plus jamais. C'est maintenant là que la main du Seigneur va opérer dans ta vie. Que tu cherches la guérison, tu l'auras. Que tu cherches le travail, tu l'auras. Que tu cherches le mariage, tu l'auras. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu penses que les sorciers de ta famille sont en train d'empêcher que tu puisses progresser? Tu penses que tu es lié, tu es bloqué, que ta vie ne avance pas? Laisse-moi te dire, il y a un temps pour toutes choses. Dieu agit aujourd'hui au travers de ta foi et que tu puisses croire à des choses qui n'existent pas encore dans ta vie afin que tu l'amènes à l'existence. Crois à la délivrance, crois à la liberté, crois à la délivrance, crois au changement, crois à la possibilité parce que la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu tout est possible. Dieu agit avec notre volonté. Lorsque nous croyons en lui et Dieu a commencé à manifester sa main aux dépendants de ses disciples. Alors, il menaça le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y a eu un grand calme. Alors, les disciples, eux, au lieu de croire, ils ont commencé à se
Et le Seigneur leur répliqua encore, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment vous n'avez-vous point de foi ?» Alors, il leur saisit d'une grande frayeur, ce sont les disciples. Alors, il se dit les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Mais c'est le Créateur, il est le Maître, vous l'avez appelé le Maître, vous l'avez reconnu sa grandeur. Donc, en lui, rien ne peut s'opposer, rien ne peut résister, parce qu'il est le Maître de temps et de circonstances. C'est lui qui est la parole. Il a dit que cette parole, que toute chose a été créée, et rien n'existe, a été créé sans elle. Alors, lorsque le Seigneur envoie sa parole, la parole doit accomplir sa mission, la parole doit délivrer, sa parole doit libérer, sa parole doit consoler, sa parole doit apporter la paix, la stabilité dans la vie d'une personne. Raison pour laquelle bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi la question que le Seigneur Jésus-Christ a posée à ses disciples, pourquoi vous avez eu peur? Pourquoi vous n'avez pas eu foi? L'homme de peu de foi. Alors bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que l'inquiétude, c'est dans d'autres versions, ça peut dire être appelé comme la peur. Les frayeurs, ce sont les dérivés de la peur qui nous poussent, que ce sont les armes dans lesquelles que l'ennemi utilise afin de pouvoir nous éloigner du Seigneur. Alors toi qui es un apeureux, tu es l'homme, un homme qui vit dans la peur, dans l'inquiétude, dans le doute, dans le stress. Laisse-moi te dire, il est temps d'opérer par la foi. Parce que le Seigneur, la seule identité qu'il reconnaît auprès de nous, ce n'est que lorsque nous croyons, lorsque nous opérons par la foi. Car il a dit que la foi est la ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alors commence à croire déjà à ton élévation. Commence à croire déjà au succès. Commence à croire déjà à une vie de progrès, de paix, de tranquillité. Même si tu ne l'as pas encore vu, crois seulement, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Dieu a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais il est Dieu souverain. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors s'il n'a pas menti à ceux qui nous ont précédés, combien de plus fortes raisons qu'il manquera, il va mentir à toi, lui qui ne ment jamais. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, existe, ayant foi au Seigneur, car sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur. Donc, celui qui croit que Dieu existe doit s'approcher en croyant avec sa foi, parce que de savoir que Dieu est le rémunérateur de tous, c'est lui qui t'apporte la paix, c'est lui qui te récompense, c'est lui qui t'apporte la joie, c'est lui qui apporte l'élévation, c'est lui qui apporte la tranquillité, c'est lui qui te garde, c'est lui le rémunérateur de tous, de ceux qui croient en lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cessons d'être inquiets, cessons de vivre dans la peur, cessons d'être stressés. Parce que nous savons que ce sont les armes que l'ennemi est en train d'utiliser en ce temps de la fin. Parce que les stress, les inquiétudes te poussent au suicide, te poussent à la ruine, te poussent à ne pas avoir confiance en Dieu, te poussent à ne pas encore avancer dans la vie. Parce que tu te sens limité, tu te sens fatigué, tu te sens abandonné, tu te sens rejeté. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur a encore besoin de toi. Parce que tu es un homme ou une femme qui a été créé à son image et selon sa ressemblance. Commence à croire seulement, même si aujourd'hui cela n'est pas encore possible. Sache-le que demain Dieu agira. Même si aujourd'hui cela n'est pas, le problème n'a pas encore été résolu. Mais laisse-moi te dire, demain la solution va se produire parce que nous devons toujours avoir l'espoir et l'espérance. La Bible déclare que je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le problème qui te préoccupe? Quel est le problème qui t'éloigne du Seigneur? Tu me diras que tu as beau essayer, que tu as beau tenter, tu as beau chercher, tu n'as jamais trouvé. Tu as beau demander, on ne t'a jamais donné. Tu as beau frapper quand on t'a jamais ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le maître de temps et de circonstances. Dieu attend son temps convenable au moment opportun. Il agira dans ta vie, car il a dit que si la promesse tarde, attends-la et s'accomplira, et s'accomplira certainement. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons vaincre l'inquiétude. L'inquiétude n'est pas bien aux enfants de Dieu. Dieu déteste les personnes qui opèrent dans l'inquiétude. Mais Dieu aime, apprécie, admire les personnes qui ont foi en lui. Les personnes qui croient avant d'avoir vu. Parce que c'est Dieu qui agira à leur faveur. Alors, c'était une exhortation de ce soir. Raison pour laquelle le problème qui te tourmente, le problème, les difficultés que tu traverses au quotidien, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle, laisse-moi te dire, il est temps que le Seigneur dise que calme et silence, et cela va se calmer afin que la paix règne dans ton cœur,
pour que tu puisses vivre le vrai amour du Seigneur dans ta vie. Alors, n'abandonne pas, ne laisse pas faire, ne t'emporte pas par les inquiétudes et les stress de ce monde, mais confie-toi au Seigneur, car il a dit que lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie, car nos visages se couvrent par de honte. Alors, tu as été déçu par des hommes, mais laisse-moi te dire que la seule personne qui te laisse, qui te reste, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Confie ta vie au Seigneur. Il est le confident, il est l'ami, admirable conseiller. Il est celui qui ne manque jamais dans la détresse. Il est là pour pouvoir te consoler, t'accepter tel que tu es. Ne vois pas la manière que tu es, mais laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime de la manière que tu es, parce que tu es tellement précieux à son égard, parce qu'il a, il connaît ce qu'il a mis en toi pour que cela puisse se réaliser. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce soir de pouvoir fixer ses regards vers le Seigneur. Vous souhaitez édifier le peuple de Dieu avec un témoignage qui a bouleversé ou changé votre vie. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Apocalypse 12, 11. Vous aurez quelques minutes pour le faire avec l'évangéliste Béhoutiel. Quelque chose a changé votre vie et grâce à ça, vous reconnaissez Christ Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Témoignage. N'ayez pas honte de Dieu. Témoignez pour sa gloire. Venez partager votre expérience avec tout le peuple de Dieu. Témoignage dans l'émission Ta Grandeur, animée par Béhoutiel de Pactol TV pour B1. Votre témoignage peut sauver des âmes. La vie de Béhoutiel est un vrai témoignage, la vôtre aussi. Alors, venez raconter. Tu dois jamais baisser les bras. Parce que c'est en lui dépendra la solution dans laquelle que tu as beau chercher. Et sois patient, parce que la prière marche avec la persévérance. Lorsqu'on est persévérant, on verra la main du Seigneur dans notre vie. Donc, ce soir, je voudrais vous encourager à ne pas vous inquiéter, à ne pas vous préoccuper, car la Bible déclare que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée dans sa vie, ou le nombre de ses jours. Alors, personne. Donc, arrêtons de pouvoir se lamenter. Arrêtons de pouvoir s'inquiéter. Car chaque jour suffit sa peine. Dieu est là. Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Si les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. À quoi mes plus fortes raisons que les personnes que le Seigneur a créées à son image et à sa ressemblance. Alors, tu es privilégié à l'égard du Seigneur. C'est par son alliance ou encore son sacrifice, que le Seigneur est venu pour que tu puisses être sauvé. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce moment glorieux. Restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne Pactol TV, afin que vous puissiez être alimentés par les bonnes nouvelles du royaume, pour pouvoir booster notre foi en ce temps de la fin. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que Dieu vous bénisse, et à notre prochain numéro. Elétine Miraculée, la sœur Agnès Achida Mababa. Dieu l'a sortie de la mort à la vie. Alors pour sa reconnaissance, elle chante Liboma Nayesu. Liboma Nayesu, devenue folle de Jésus pour l'avoir sauvé, Liboma Nayesu est un pacte de son amour envers son sauveur Jésus-Christ. Ses coffrets CD et DVD de 5 titres est déjà dans les bacs, dans tous les points de vente habituels. Vous pouvez aussi l'acheter sur le site www.pactoltv.com et sur les sites de vente en ligne comme iTunes. Liboma Nayesu, une production de Christophe Moreau Mandinga. La réalisation des clips a été assurée par Pactol TV de Lolo Mutima. Liboma Nayesu de la sœur Achida Mababa. Pour la reconnaissance de la grandeur de Dieu dans sa vie. Soutenez Agnès Achida Mababa. Achetez son coffret CD DVD pour l'encourager de rester sur la voie qu'elle a décidé de suivre. Agnès Achida Mababa. Akomanaye Liboma. Ndenge Babiki Sayena Komo. Écoutez son témoignage
et vous comprendrez la raison de sa folie. Achetez Liboma Nayesu, une production et une distribution exclusive de Christophe Moro Mandinga. Savourez ce bel album avec des titres comme Liboma na Yesu, kasi ya moto te, ashida mababa, aye, akomi, ayembi, na liboma na ye. Bosomba, les divorcés. Divorcés, une émission de Pactol TV. Vous avez connu un divorce ou une séparation difficile, il ou elle vous a maltraité, trompé, négligé, humilié, dénigré, minimisé, méprisé, ignoré, battu, empoisonné, escroqué, trahi ou abandonné, et vous avez divorcé. Alors aujourd'hui, vous voulez briser le silence et tout dévoiler sans honte pour que plus jamais d'autres subissent les mêmes sorts. Venez sur le plateau de Pactol TV. D'autres divorcés comme vous seront là pour partager avec vous ces moments difficiles, pour cicatriser vos plaies. Les divorcés. Libala et Koufaki Foti Anani. Yayo Toyaye. Tolingi Toyeba. Kouye Anubaki Zaliyo. Akosi. Les divorcés. Contactez Pactol TV pour participer à l'émission pour réveiller et c'est pour finalement à ta bataille des salamis. Je t'ai donné tout pouvoir. Kasi, tout boy de Tumba, il n'y a pas divorcé dans le plateau. Il y a des salades, des salades, mon corps. Ce qui a couru, il est payé, mon colonel. Les divorcés sur Pactol TV. L'évangéliste Prince Kouka Malosa vous reçoit dans la parole inspirée, une émission de Pactol TV. Bien-aimés dans le Seigneur, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, missionnaires, bishops, artistes chrétiens, frères et sœurs en Christ. La parole inspirée pour les femmes et hommes de Dieu, les artistes chrétiens, les frères et les sœurs en Christ. Je vous reçois sur le plateau du Pactol TV pour partager la parole de Dieu. Recevoir votre témoignage et votre expérience dans l'œuvre de Dieu pour l'édification du corps du Christ. Je vous attends dans l'émission La Parole Inspirée sur Pactol TV. La Parole Inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sûr, Pactol TV. Pactol TV, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactol TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Grâce à son site internet www.pactoltv.com et bientôt sur Orao TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactol TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations,
la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez, venez, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Chez nous, il n'y a pas de prix. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolestudio.com. Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoltv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactole TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la diffusion. Chez Pactole TV, il n'y a pas de prix. Pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole, seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Tout pour la gloire de Dieu. Du nouveau, de l'innovation pour les amateurs de la bonne musique, pour les mélomanes de la musique congolaise moderne, de la musique africaine. Lolo Mutima, le socle. Et Pactole TV vous permettent désormais d'acheter vos CD et DVD, tous les supports discographiques et valeurs culturelles africaines par Internet. Composez à cet effet le www.pactoletv.com. Merci Lolo Mutima, le socle. Merci PactoleTV.com. Merci les socles, Lolo Mutima, le cœur, les producteurs du moment, toujours à la une de l'actualité. Ezaboye, match Eza bien. Désormais, composez les www.pactoletv.com. Pactole TV vous permet simplement de vous procurer vos CD, DVD de la musique religieuse congolaise et africaine, films et théâtres. Les nouveautés sont affichées en temps réel. Paiement en toute confiance par mandat postal, Western Union et carte bancaire. Sécurisé par l'organisme PayPal. Livraison partout dans le monde. www.pactoletv.com. C'est votre partenaire de confiance. Merci Pactole TV, toujours à la une de l'actualité. Il est Dieu, le véritable Dieu. C'est pour cela que nous l'adorons. Dieu, papa, le véritable Dieu. Tozana pointe, Ezaboye, match Eza bien. Zamba lolo mouti ma sali ke ba jalou ba sala. Bazoa zéro. Lolo mouti ma, l'homme qu'il fallait, le grand producteur.